Cari colleghi, cari amici, cari studenti, sono contenta che ci siano anche degli studenti stasera. Vi porto il saluto del Presidente della Fondazione Privoli, del Professor Roberto Antonelli, e vi do il benvenuto a questa ultima conferenza del ciclo La France qui pense l'Europe, che è cominciato a marzo scorso, a marzo 2019, con la collaborazione, il sostegno, organizzato dalla Fondazione Primoli, con il sostegno del seminario di filologia moderna, di filologia francese. Anzi, ho colto l'occasione per salutare la Presidente, la professoressa Anna Scoffman, che è qui con noi e ci fa un enorme piacere, oltre che onore. E dunque questo ciclo si è svolto prima e dopo l'estate, cercando di affrontare il pensiero di grandi scrittori francesi, a partire da Montesquieu, Madame de Staël, Victor Hugo, eccetera, per vedere qual era la loro riflessione sulle questioni europee. Siamo arrivati ora in autunno al Novecento, abbiamo avuto una conferenza, l'ultima conferenza è stata su Paul Valéry, e oggi abbiamo il piacere di poter ascoltare il professor Jean-Yves Guérin, che ringrazio per aver accettato il nostro invito e essere qui per parlarci di Camus. Il moderatore sarà Gianfranco Rubino, il nostro collega della Sapienza, lo ringrazio per la sua disponibilità e lascio a lui il compito di presentare il nostro conferenziere. Grazie ancora a tutti e due e vi lascio la parola. Eh bien, c'est avec un grand plaisir que j'ai aujourd'hui la tâche d'introduire le professeur Jean-Yves Guérin, professeur émérite de l'Université Sorbonne-Nouvelle, Paris 3, qui est un des spécialistes les plus éminents de la littérature française du XXe siècle, notamment dans les domaines du roman et du théâtre. Il s'est occupé non seulement d'auteurs, mais aussi de rapports entre littérature politique, littérature idéologique, littérature de savoir, même l'histoire de politique. Son attention s'est beaucoup concentrée sur le dramaturge, narrateur et poète Jacques Liberty, auquel il a consacré les monographies Le théâtre de Liberty et le baroque, et au Liberty, 100 ans de solitude, dirigeant également des travaux collectifs sur le même sujet, au Liberty, le trouble fête, au Liberty, poète, dramaturge et romancier, au Liberty, chronique, roman, théâtre. Toujours sur le théâtre, il a publié un panorama historique, le théâtre en France de 1914 à 1950, et dirigé également en 2019 le Nouveau Théâtre, 1945-2017, ainsi qu'un dictionnaire des pièces de théâtre française du XXe siècle et un dictionnaire Eugène Ionesco. Changeant de siècle, plus récemment, on lui doit aussi une édition critique du Cyrano de Bergerac de Maurostand et une monographie sur le même sujet, Cyrano de Bergerac et de Maurostand, encore en 2018. Dans le cadre de son intérêt pour le contexte politique de la littérature, il a dirigé le théâtre français des années noires, 1940-1944, et publié en 2016 les listes noires de 1944. Pour une histoire littéraire de l'épuration. Pour ce qui est de la littérature narrative, son auteur de référence est celui qui est le sujet d'aujourd'hui pour nous, Albert Camus, dont il est un des spécialistes les plus réputés. Il a étudié notamment des aspects de l'engagement civique de cet écrivain, des aspects qui, il y a quelques années, étaient moins connus. Il a dirigé le volume Camus et la politique en 1986, et Camus est le premier combat, 44-47, en 1990. Ce dernier relatif à une partie de l'activité journalistique de l'écrivain, rédacteur en chef éditorialiste de ce quotidien, qui était d'abord clandestin, combat.
Ces recherches ont été suivies par la monographie de 1993 Camus, portrait de l'artiste en citoyen, où il était question, entre autres, des polémiques de l'après-guerre, notamment du différend de Camus avec Sartre, de son adhésion de Camus au socialisme réformiste, de son choix démocratique et de sa critique des totalitarismes. Par la suite, ce rapport de Camus avec son époque a été étudié par Jean-Luc Guérin comme relation ou politique plutôt qu'à la politique. Car dans un vers Camus, littérature politique, cette monographie de 2013, l'auteur étend la dimension politique aux fictions de l'écrivain, notamment La peste, Caligula, l'état de siège, le juste, dont il analyse la portée antitotalitaire, sans pour autant négliger les prises de position journalistiques de la période algérienne et celle de la collaboration avec l'Express en 1955-1956. Cette foule de connaissances et de réflexions avait alimenté également l'entreprise du magnifique dictionnaire Albert Camus, paru chez Lafont en 2009, où Jean-Luc Guérin coordonne les apports des meilleurs spécialistes de Camus en multipliant les approches et les entrées dans ce long de travail indispensable pour tous ceux qui voudraient mieux connaître Camus et les problématiques collatérales qui s'y rapportent. Cette sensibilité de Guérin en relation de la littérature avec ses contextes vient inspirer nombre d'autres travaux, qui seraient longs évidemment de citer de façon exhaustive, sans compter plusieurs articles et communications dans des colloques. Je me borderai à signaler parmi les volumes À nouveau ou en nouveau, modernité et progressisme dans la littérature française du XXe siècle, 2002. Fiction et engagement politique, la représentation des militants et du parti dans le roman et le théâtre français du XXe siècle, dirigé en 2008. La portée de l'histoire, l'étude sur le roman français moderne et contemporain, co-dirigé en 2011. Mon racisme et littérature, co-dirigé en 2012. Savoir et savant dans la littérature française, Moyen-Âge, XXe siècle, co-dirigé en 2010. Sont autant de travaux collectifs. Il s'est occupé également d'autres auteurs en dirigeant le volume Albert Meunier, écrivain et sociologue, en 1990, et co-dirigeant Jean Guénoux, Guerre et la paix, Guerre et paix en 2000, et Nir Monterland en 2013. Il est directeur de la collection Littérature de notre siècle aux éditions de Les Champions depuis 1995. Il est co-directeur et responsable pour le XXe siècle de la collection Dictionnaire et Références aux éditions de Les Champions encore. Jean-Luc Guérin va nous parler d'un des écrivains les plus aimés, les plus étudiés, mais aussi les plus discutés du XXe siècle, qui ne s'est jamais soustrait à une confrontation franche avec son temps, surtout par son activité de journaliste et d'essayiste. Juste avant d'écouter M. Guérin, je me bornerai à remarquer le caractère apparemment un peu paradoxal de la présence de Camus dans un cycle consacré aux écrivains français et d'Europe. On n'a pas oublié que, né en Algérie, il y passa son enfance et une bonne partie de sa jeunesse, en y faisant ses débuts de journaliste, et qu'il resta toujours fidèle à ses origines, ainsi qu'en témoignent certains propos tenus à plusieurs reprises. Il parla de l'Algérie comme de sa seule patrie, ou de sa vraie patrie, loin de laquelle il dit qu'il se sentait toujours un peu en exil, en arrivant à se définir africain de l'homme. Entre autres, l'Algérie participait selon lui de cette vision méditerranéenne du monde conçue par les Grecs, dont l'Europe du Nord ne sut pas ou ne voulut pas cueillir l'héritage. On peut en déduire que le rapport de Camus avec l'Europe est complexe et qu'il pourrait se concevoir comme le fruit d'un parcours. Il est particulièrement intéressant d'en apprendre l'itinéraire et les jalons à travers l'intervention du professeur Guérin, auquel je cède tout de suite la parole en le remerciant à mon tour d'être aujourd'hui avec nous. Grazie a lei, caro collega. È un grande onore, un grande piacere essere qui quest'anno. Ho tre titoli. Uno,
l'Europa nel pensore, pensiero e l'opera d'Albert Camus. Secondo titolo, l'utopia europeana nel pensiero e l'opera di Camus. Terzo titolo, il destino e il disegno dell'Europa nel pensiero e l'opera di Camus. Je parle français. Ce qui m'a intéressé, c'est comment Camus a pensé l'unité européenne. La construction européenne peut être pensée selon une double temporalité. On a la longue histoire d'une utopie portée par des philosophes et des écrivains, Erasme, Leibniz, Kant, Condorcet, Goethe, Victor Hugo, et de l'autre, l'histoire courte d'institutions transnationales ou supranationales, économiques puis politiques. Les deux histoires se croisent après 1945. Les deux guerres mondiales, le nazisme et le stalinisme, avaient brisé ou perverti l'esprit européen. Après le cataclysme de la Deuxième Guerre, l'incarnation de l'utopie en des institutions prend un caractère d'urgente nécessité. Des petits cercles, en marge ou au sein des partis politiques, et quelques hommes de culture, dont Camus, en sont intimement convaincus. Camus fut aussi un intellectuel européen de langue française et un citoyen européen. Il a éparpillé ses considérations sur l'Europe, d'une part dans des éditoriaux de combat, 1945-1946, dans des chroniques de l'Express, 1955, et dans des articles confiés à des périodiques plus confidentiels, et d'autre part, dans « Lettre à un ami allemand » et « L'homme révolté », ouvrage dont il a voulu faire une histoire de l'orgueil européen. Ses écrits se caractérisent par leur continuité et leur cohérence. Cette part de sa réflexion politique est aujourd'hui mal connue, et les historiens de l'idée européenne font peu de cas de ses écrits. Je vais maintenant voir comment Camus est passé de l'internationalisme au fédéralisme européen. Si le boursier a reçu une culture gallo-centrée à l'école de la République, l'élève de Jean Grenier à Alger s'imprègne du cosmopolitisme de la Nouvelle Revue Française. Le débat que de Paul Valéry, qui a été question ici, à Julien Balda, de Jules Romain à Drieux-La Rochelle, les écrivains de la NRF même autour de l'Europe, de son héritage et de son déclin, laissent apparemment Camus indifférent dans les années 1930. C'est qu'il est à Alger. À plus forte raison, il n'a aucune connaissance des nombreux livres que publient les prophètes et les doctrinaires des États-Unis d'Europe, Richard de Coudenhove-Kalergi, Carlos Sforza, Bertrand de Jouvenel et d'autres. Homme des confins, Camus se sent alors plutôt algérien, voire africain. Il a fallu attendre 1935 pour qu'il traverse la Méditerranée. Sans doute pourrait-il signaler l'influence qu'a pu exercer sur lui Robert-Édouard Charrier, dont il a été proche à Alger, quand il collaborait à Soir républicain. C'est cet universitaire juriste qui l'a sensibilisé à la thématique fédéraliste et solidariste. Les articles que Camus a signés sous divers pseudonymes à l'automne 1939 en portent l'empreinte. Dès cette époque, il critique la notion de souveraineté dans la perspective de ce qu'il appelle un internationalisme effectif qui se révèle passablement utopique. Il compte en effet sur la solidarité des peuples pour empêcher
la guerre. Elle ne joue pas la solidarité. La guerre éclate. Ces militants et diplomates ont failli. L'échec d'un certain internationalisme pacifiste est patent, comme l'aime et depuis plus longtemps, celui de la société des nations. Il eût fallu une société des peuples, écrit Camus sous le pseudonyme de Jean Merceau. Pascal Pia, le directeur du journal, et lui, dans une profession de foi commune, s'affirment profondément pacifistes et évoquent l'Europe nouvelle. L'occupation va enseigner à Camus qu'il est non seulement français, mais aussi européen. Lettre à un ami allemand marque un tournant. Camus s'y abstient de toute rhétorique chauvine et inscrit l'action collective des résistants dans la perspective d'une Europe démocratique. La France en est une région parmi d'autres, et dans la préface à l'édition italienne du livre, Camus indique que lorsqu'il dit « vous », il s'adresse non aux Allemands mais aux nazis, et que lorsqu'il dit « nous », il parle pour les Français mais aussi pour les Européens libres. Le désaccord des deux correspondants, le français et l'allemand, sur l'Europe redouble celui qu'ils ont sur le patriotisme. Notre Europe n'est pas la vôtre. Votre Europe n'est pas la bonne. Deux conceptions à nouveau se font face. D'un côté, on a un nationaliste devenu impérialiste. De l'autre, un internationaliste rallié au patriotisme républicain. Les nazis français, à l'exemple de Drieu La Rochelle ou Marcel Déat, se considèrent comme européens. Ils souhaitent que la France prenne place dans l'Europe nouvelle, qu'elle en soit une partenaire, mais les Allemands aussi, mais ils entendent qu'elle soit la vassale du Troisième Reich. Il y a là, estime Camus, la falsification d'une grande idée qui remonte aux Lumières. Au même moment, Jean-Paul Sartre remarque « L'Europe était un mot qui faisait horreur, il signifiait servitude. » Ce mot, lui aussi, doit être dénazifié. Le Troisième Reich a failli le discréditer en l'associant à une entreprise impérialiste, raciste et totalitaire. La troisième des lettres à un ami allemand expose les deux conceptions antagonistes de l'Europe. D'un côté, l'Europe nouvelle des nazis, une Europe organisée, asservie, pillée par un État prédateur. Camus écrit « Terre à soldats, grenier à blé, industrie domestiquée, intelligence dirigée, une cohorte de nations dociles menée par une Allemagne de seigneur. » De l'autre, une Europe ouverte et démocratique. L'unification par la force a échoué en un cataclysme sanglant. Il faut reprendre l'entreprise sur d'autres bases. Au dictat doit succéder le contrat. L'Europe, conclut Camus, sera encore à faire. Elle est toujours à faire. On est en 1944. L'Europe, c'est pour lui des paysages, des villes. Et il cite Florence, Prague, Cracovie, Salzbourg, qui sont des lieux de mémoire. C'est aussi une culture commune. L'Europe est une terre de l'esprit. Il existe une civilisation européenne. La quatrième des lettres donne son sens humaniste à la lutte engagée et à la construction européenne. Camus est de ceux pour qui, après l'ère des nationalismes et des impérialismes fauteurs de guerre, devait venir celle des fédéralismes pacificateurs. Quand il écrit « Lettre à un ami allemand » en 1943-1944, il est en contact avec des fédéralistes français européens qui se situent en marge de la classe politique. Il leur emprunte quelques idées forces sans chercher à les développer de façon originale. Combat, par la plume d'Henri Freinet, Résistance, Le Populaire, journaux clandestins, la résistance avait donné une dimension européenne à leur action. En septembre 1942, on peut lire dans Combat, les États-Unis d'Europe, étape vers l'unité mondiale, seront bientôt une réalité vivante pour laquelle nous combattons.
en décembre 1943, toujours dans le même journal, clandestin, que la France et la France seule, c'est une erreur stupide, le mouvement de libération nationale créé au même moment, et dont combat est proche, envisage une fédération européenne. Le 7 juillet 1944, quatre personnalités, Henri Freinet, Jean-Marie Soutou et deux personnes que vous connaissez bien, Ernesto Rossi et Altiero Spinelli, publient une déclaration des résistances européennes qui affirme la nécessité d'aller vers une Europe fédérale dotée d'un gouvernement responsable devant les peuples. Camus, pour sa part, a rejoint un comité français pour la Fédération européenne qui avait été fondé à Lyon en juin 1944. Il manque de temps pour s'y impliquer. Et le temps du militantisme, c'est pour lui achever. Les fédéralistes européens considèrent que Combat, le journal dont Camus a été rédacteur en chef, que Combat est le journal français dont la ligne est la plus proche de leur mouvance. Dans sa rédaction, figure un militant et futur historien du fédéralisme et de l'idée européenne, Bernard Voyer. La Deuxième Guerre mondiale laisse une Europe exsangue et divisée. Qu'elle soit la grande perdante du conflit, Camus en est intimement persuadé en 1945. Le plus petit des cinq continents n'est plus le centre du monde. Il en est une province. La France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne sont désormais des acteurs de second rang. Les deux premiers pays sont contraints, bon gré mal gré, à abandonner leur empire. N'ayant pas les moyens d'une politique planétaire, ces pays sont voués à être les alliés ou les féaux des deux vainqueurs, les États-Unis et l'Union soviétique. Hitler est mort, Staline est bien vivant. Si le Troisième Reich s'est effondré et si ses alliés partagent son sort, l'URSS sort renforcée et s'offre un glacis d'État satellite. Camus comprend très vite que l'armée rouge n'a pas libéré, mais asservi, et vit un jour colonisé. Un système international bipolaire se met en place dès 1945. La politique développe, c'est un mot de Camus. Ou comme il le dit encore, des camps retranchés divisent implacablement le vieux continent. On a d'un côté des régimes démocratiques, pluralistes, de l'autre des régimes totalitaires. Une nouvelle guerre est envisageable. Les pays européens en seraient les premières victimes. Et je cite Camus. L'Europe, par sa superficie, par sa force réelle, ses dimensions, sa métaphysique cruelle sous byzantine n'est aux yeux du monde que ce que furent les Balkans aux yeux de l'Europe. Aujourd'hui, par ses faiblesses, autant que par ses ressources, l'Europe est aujourd'hui une perpétuelle tentation à l'impérialisme. Fin de citation. Et on tire cette conclusion que la seule chance est dans la mise en place de solidarité, à terme de l'unification de l'Europe. La construction d'une maison commune devient une ardente obligation. Camus a le sentiment qu'on était entré dans l'ère planétaire qui rendait inéluctable ce qu'il appelle une organisation du monde et le dépassement des États-nations. Un événement à ses répercussions qui telle une onde de choc, bon, et je le cite, nous savons aujourd'hui qu'il n'y a plus d'île et que les frontières sont vaines. C'est en 1946, dans Ni victime, ni mort. L'idée n'est pas neuve. Elle se rencontre dans les écrits de l'autre après-guerre, 1918. Les frontières tombent, il est temps de s'unir. Ils étaient par exemple dans le premier numéro de l'hebdomadaire Clarté. Les années 1930, la stalinisation de l'extrême gauche sonnèrent le glas de cette utopie. Camus la reprend sur de nouveaux frais, plus pragmatiques. Il n'existe pas pour lui de solution nationale aux grands problèmes qui se posent au pays. Et nous savons bien aujourd'hui, les épidémies, la pollution, ne connaissent pas les frontières. Il en tire la conclusion. Les grandes décisions ne relèvent plus des seuls États. L'heure est aux solidarités et aux synergies. Je le cite. Nous devons enlever son importance à la politique intérieure. On ne guérit pas la peste avec des moyens qui s'appliquent au rythme de cette. Une crise qui déchire le monde entier doit se régler à l'échelle universelle. Le plan Marshall, quelques mois plus tard, met en place une aide multilatérale à la reconstruction. La France, pour sa part, a cessé d'être une grande puissance.
constate Camus en 1945. Ces élites anciennes et nouvelles, celles issues de la résistance, doivent affronter cette réalité. Et il poursuit. La France est solidaire de l'Europe, quoi qu'elle fasse ou quoi qu'elle veuille. Elle l'a été dans la souffrance, elle est dans son économie, elle le sera dans son destin. La France ne se reconstruira pas sans l'Europe. Il ajoute, la France a une tâche européenne qu'elle ne peut éluder. Le général de Gaulle, un peu plus tard, en 1949, déclare « L'Europe déchirée est devenue un enjeu entre deux masses étrangères, sans que l'unité lui rendrait sa dignité, sa prospérité, sa force, et sans que la France détient de par sa nature et par l'histoire la vocation de l'y appeler. La France est isolée, trop faible politiquement, surtout après le retrait du général, et plus encore économiquement, pour jouer un rôle moteur. La priorité est la reconstruction, et l'État jacobin reconstruit ses appareils. La disparition des souverainetés pour Camus est un terme souhaitable. Elle n'est pas d'actualité à la fin de la guerre. Quand, en novembre 1946, il rassemble et développe ses idées sur un nouvel ordre international, je souligne le mot, dans des victimes nouveaux, son utopisme, l'amène à préconiser la mise en place d'un parlement mondial élu par les peuples. Il comprend vite, pragmatique, que la coopération à l'échelon régional est plus acceptable dans un premier temps et il envisage des transferts librement consentis de compétences à des instances supranationales. C'est cette méthode que préconisent les fédéralistes et canotes, les partisans de la construction européenne à partir de 1907. Un rapprochement ici s'impose. Léon Blum, prisonnier à Bourassa, écrit en 1941 à l'échelle humaine. Pour lui, comme pour Camus, la social-démocratie française ou toute démocratie sociale en France n'est viable que si elle s'intègre dans un ordre européen. Léon Blum, 1941. Sa critique de l'Europe nouvelle annonce celle que l'on trouve dans l'être un ami allemand. Et Blum, comme Camus, préconise une fédération égale de nations libres. Mais là, il désaccord avec Camus. Il songe à un État suprême, à un super État. Construire l'Europe au temps de la guerre froide. Camus est de ceux qui envisagent spontanément une Europe neutre, pacifique, socialiste, indépendante des États-Unis comme l'Union soviétique. Il joint sa signature à celle de Sartre, Merleau-Ponty, Emmanuel Mounier, Claude Bourdet et d'autres, au bas de l'appel que publie la revue Esprit en novembre 1947, il n'en est pas le rédacteur, mais il a contribué à la rédaction. On y lit. Aucun pays ne peut vaincre à lui seul la famine, la misère, ni le froid. Diviser l'Europe peut être à l'origine de la guerre, unie à l'origine de la paix. Ça pourrait être du Camus. Les citoyens de l'Europe, ce sont les rédacteurs de l'appel, préconisent l'abolition et des intérêts capitalistes, et des barrières douanières, dont une révolution socialiste. Pour la plupart des signataires, Sartre, Merleau-Ponty, Bourdet, l'équidistance des deux grands est en trompe-l'œil. C'est des États-Unis que vient le péril majeur pour les existentialistes et les personnalistes. D'où l'hostilité résolue des uns et des autres à l'Alliance Atlantique, au plan Marshall et à la culture de masse venue des États-Unis. Les films d'Hollywood et Coca-Cola. Comme Emmanuel Mounier, Raymond Queneau, André Breton et quelques autres, Camus a sympathisé avec l'utopie mondialiste de quelqu'un bien oublié aujourd'hui, Gary Davis, en 1948-1949. Cet Américain s'était voulu citoyen du monde. On le prenait pour un excentrique pour le monde. L'utopie mondialiste, dont il est le héros, prophète,
postule l'unicité du monde, un nouvel ordre international et une collectivisation des richesses naturelles. Mais la guerre froide a commencé. Elle risque de dégénérer en une nouvelle guerre dont l'Europe serait le théâtre. Et le vieux continent, répète Camus, ne survivrait pas à la catastrophe démesurée qu'elle entraînerait. Son soutien à Gary Davis se situe dans la continuité de ni victime ni bourreau. La paix passe non par le raidissement des souverainetés, mais, ça c'est une citation, mais par la constitution d'un nouvel ordre international et l'élection d'un parlement des peuples, c'est toujours la même idée. La guerre froide, à raison de l'initiative de Gary Davis, comme des entreprises fédéralistes. Les démocraties occidentales, menacées par l'impérialisme soviétique, se résolvent à accepter la protection des États-Unis. L'OTAN, écrit en 1949. Camus, qui n'a plus de tribune, ne commente pas l'événement. Il semble n'avoir été ni favorable à l'Alliance Atlantique, où l'ont été Claudel, Raymond Aron et les partis de gouvernement, ni hostile à celle-ci, comme l'ont été Sartre, la gauche progressiste et les communistes, pour lesquels il est l'impérialisme américain. Camus ne croit plus, s'il n'y a jamais cru, à une révolution socialiste. Le mondialiste déçu va se changer en partisan résolu de la construction. Celle-ci représente ce qu'il avait appelé antérieurement une utopie relative. Entre le monde et la nation se place l'Europe. La France ou l'Europe, le dilemme n'a pas de sens. À condition qu'elle soit un processus volontaire et que les peuples y soient partie prenante, je souligne, la construction est une de ces utopies modestes qu'il appelle de ses voeux et une nécessité historique. Elle assure la liberté, la paix, la prospérité si aux antagonismes historiques succèdent des partenariats. Cela exige une limitation des souverainetés. Camus sait que le processus doit se faire de façon graduelle et que l'Europe est le premier espace où les frontières peuvent être relativisées. Quand l'Express lui offre une tribune en 1955, il revient sur le sujet. Citation : Le temps des empires s'achève, celui des libres communautés commence. C'est indiquer une méthode. L'unification de l'Europe doit être un processus volontaire, non impérial, et le paradigme démocratique en être le socle. Dans un texte de 1945, il envisageait déjà une fédération économique européenne qui aurait vocation à se transformer en fédération politique. 2 ans plus tard, il voit des chances de renouvellement dans la suppression des souverainetés. Il n'en dit pas plus, n'ayant aucune compétence juridique ni constitutionnelle. Qu'il faille commencer par l'économie, Camus, je l'ai dit, semble en avoir été convaincu. Il s'agit de concilier, comme il le dit, l'idéal et l'intérêt. Dans un éditorial de décembre 1944, il constate l'interdépendance des économies. Je le cite, « Tous les pays d'Europe dépendent étroitement les uns et des autres dans leur production comme dans leur consommation. Des coopérations doivent se mettre en place. » Il esquisse ici, on est en 1944, le scénario de la future construction européenne. Et s'exprimant en son nom propre, par ce combat, il envisage la circulation des marchandises et la suppression des souverainetés économiques dans un texte inédit retrouvé par Roger Pierre. C'était la seule voie possible, note le grand historien Joseph Roman. Mais ce devait n'être qu'une étape. Robert Schuman, lorsqu'il lança le projet de la communauté européenne charbon-acier dans son discours historique du 9 mai 1950, parlait de réalisation concrète qui créerait une solidarité de fait. Camus, lui, déclare en 1956, un an avant le traité de Rome, « Demain, si seulement l'Europe s'accorde avec elle-même, des flots de richesses couvriront le continent. »
et le 25 mars 1957, le traité de Rome. Ayant quitté l'Express, il ne donne pas son opinion sur l'événement, même pas dans ses carnets. Peut-être répugne-t-il à le mettre au crédit de Guy Mollet. J'ajoute que Pierre Mendès-France, redevenu député, avait voté contre le traité. Et dans Le Monde, Maurice Leverger avait parlé d'un parti. Mais peu après, Camus déclare, c'est parce que j'aime mon pays que je me sens fort. Mais les institutions l'intéressent aussi peu que l'économie. Il est en cela bien un intellectuel français. Il n'avait pas plus réagi à la formation de la CECA, 18 avril 1951, ni au rejet de la Communauté européenne de défense, 30 août 1954. On ne connaît pas son opinion sur cette question, qui avait divisé le gouvernement de Pierre Mendès-France, qui avait la sympathie de Camus. La devise de l'Union européenne est « unie dans la diversité ». Camus déclare, dans un entretien en 1957, « L'unité et diversité, et jamais l'une sans l'autre, n'est-ce pas la formule même de notre Europe ?» Je continue, la citation est un peu longue. Elle a vécu de ses contradictions et s'est enrichie de ses différences. Et par le dépassement continuel qu'elle en fait, elle a créé une civilisation dont le monde entier dépend quand il la rejette. C'est pourquoi je ne crois pas à une Europe unifiée sous le poids d'une idéologie ou d'une religion technique, je dirais une démocratie, qui oublierait ses différences. Pas plus que je ne crois à une Europe livrée à ses seules différences, c'est-à-dire livrée à une anarchie de nationalistes ennemis. On croirait lire aujourd'hui Edgar Morin. Cette idée se trouve chez Ortega y Gasset, Arthur Koestler et de nombreux auteurs européistes. L'Europe a produit le meilleur et le pire, elle est plurielle, sa vérité est de ne pas avoir de vérité, les cultures se nourrissent les unes des autres. La dialogie démocratique, mais ça c'est le mot d'Edgar Morin, y joue contre l'esprit d'orthodoxie de le système. Dans ses carnets, Camus reprend une formule souvent employée dans l'entre-deux-guerres, l'Europe des esprits. Il s'est montré hésitant quand il s'est agi d'en préciser les paradigmes. Dans Lettre à un ami allemand, il considère que la tradition chrétienne n'est qu'une, c'est une citation, de celles qui ont fait cette Europe. Le temps de la chrétienté est pour lui révolu. Mais le rationalisme laïque n'est pas mieux loti. Et il le dit dans L'homme révolté, la terre de l'humanisme est devenue cette Europe, terre et humaine. Elle a produit des camps. La raison, pas plus que la révélation, la raison laïque, pas plus que la révélation chrétienne, n'ont pu empêcher le déchaînement des rationalismes et les assassinats de masse. L'idéologie technicienne, la raison y a contribué. Elle a produit elle aussi le meilleur et le pire. La philosophie des Lumières aboutit alors, je cite Camus, à l'Europe du couvre-feu. Le paradoxe de l'Europe, bien vu par Camus, est qu'elle a été un foyer de civilisation et un creuset d'idéologie criminogène. C'est sans doute dans le dialogue des cultures que se trouve pour lui son identité. L'essentiel, comme il le dit dans l'entretien déjà cité, est que l'Europe de l'esprit, souvent invoquée par ses aînés, préfigure notre avenir politique. Sa réflexion croise ici celle d'intellectuels tels que Denis de Rougemont, bien que pour sa part, Camus soit resté à distance du Centre européen de la culture et de la Fédération européenne de la culture. L'Europe de Camus est un espace ouvert à tous les pays qui partagent un même socle de valeurs démocratiques, une même conception de la personne humaine, un même souci de la paix et de la justice. Je le cite, 1951, « Il n'y aura pas de cohésion européenne si notre continent ne trouve pas le chemin de la justice. L'Europe en formation n'est l'ennemi d'aucun peuple, elle s'oppose à des régimes, elle condamne des pratiques. La priorité doit être aux hommes, non aux marchandises, et la liberté pour lui est d'abord sociale et politique. Camus a donc proposé des critères d'intégration, comme on dit aujourd'hui.
Il s'est aussi prononcé sur des ouvertures précises. Et dernier point, Camus et la grande Europe. L'Europe des nations, nous le savons, s'est rétrécie entre 1914 et 1945. Elle est allée de l'Atlantique à l'Oural, puis l'Atlantique aux Carpates, ensuite, enfin, suite aux accords de Yalta, de l'Atlantique au Tyrol. Quelles frontières donner à l'Europe? Le noyau initial comprend 6 pays. Camus, dès 1951, estime que, vu sa tradition démocratique, la Grande-Bretagne doit y prendre toute sa place. Je le cite, « L'Europe, à cause même de ses désordres, a besoin de l'Angleterre, et l'Angleterre ne pourra se sauver sans l'Europe. » Les faits disent que, pour le meilleur et le pire, l'Angleterre et l'Europe sont solidaires. Churchill, quel Camus rend hommage dans ce texte, avait donné une tonalité européenne à ses discours de guerre et parlé des États-Unis d'Europe dans son célèbre discours de Zurich. Pourtant, la Grande-Bretagne s'est au même moment exclue de la construction européenne. De Churchill à Tony Blair, que dire à la suite? Elle n'a cessé de préférer l'alliance transatlantique à la définition d'une politique étrangère et de défense commune. L'Europe ne sera pas sans l'Allemagne, écrivait Claude Bourdet dans son dernier article du Combat climatique. Camus partage son avis. En lettre à un ami allemand, il prenait bien soin de distinguer le nazi et l'allemand, orphelin de guerre. Il n'a jamais appelé le proche. La question allemande est pour lui essentielle. Le 19 octobre 1944, alors que les Alliés s'apprêtent à envahir, à occuper l'Allemagne, ils demandent que cette occupation soit provisoire. Aucun homme raisonnable en Europe ne peut penser que des millions d'individus seront tenus dans une servitude infinie. Il faudra un jour que l'Allemagne reprenne la place qui lui revient. Fin de citation. Léon II, dont à l'échelle humaine partageait son avis, de même le général de Gaulle. C'était aussi l'idée maîtresse de Robert Schuman dans le discours déjà cité. Camus est de ceux pour qui l'insertion d'une Allemagne démocratique dans le concert européen est une nécessité. Dans un article de Combat daté du 7 mai 1947, 3 ans après la fin de la guerre en Europe, on trouve le propos suivant. Quelle que soit notre passion intérieure et le souvenir de nos révoltes, nous savons bien que la paix du monde a besoin d'une Europe pacifiée et qu'on ne pacifie pas un pays en l'exilant jamais de l'ordre international. L'Allemagne de Konrad Adenauer a été un pays fondateur de la CECA et ce qu'on a appelé l'axe franco-allemand a longtemps été un moteur de la construction européenne. Camus est de ceux peu nombreux qui ont pensé que le sort du continent se jouait d'une part en Espagne, de l'autre dans les pays colonisés par l'Union soviétique, et que ni Franco ni le communisme ne dureraient ad vitam aeternam. L'Espagne, sa deuxième patrie, fait naturellement partie de son Europe. Elle lui est nécessaire, estime-t-il, et je le cite, « Nulle Europe, nulle culture ne sera libre » si elle se bâtit sur la servitude du peuple espagnol. Fin de citation. Il est écrit aussi dans son hommage à Salvador de Madariaga, grand écrivain européen de langue espagnole, je le cite. L'Europe, qui se fait aujourd'hui dans le sang innocent, sera payée d'un terrible prix. Et nous, pour qui chaque vie humaine est irremplaçable, nous ne pourrons saluer de cris de joie à sa renaissance, mais elle renaîtra à l'ouest comme à l'est, à Madrid comme à Budapest. Quand en 1956, il associe les causes de l'Espagne et de la Hongrie, montre que ce ne fut pas un auteur. Camus a toujours condamné les accords de Yalta, qui abandonnaient l'Europe centrale à Staline. Il fut l'un des rares intellectuels français à écouter les intellectuels venus du froid. Czesław Miłosz, quelqu'un que vous connaissez ici, Gustav Herling, que les progressistes parisiens traitaient en paria, leur anti-impérialisme s'arrêtant rideau de fer.
Ainsi s'explique que les intellectuels hongrois fassent appel à lui, à Camus, en 1956. Il écrit alors « La véritable Europe existe unie dans la justice et la liberté face à toutes les tyrannies. Les combattants hongrois meurent en masse de cette Europe-là. » Dans son discours du prix Nobel, il rappelle l'année suivante qu'il existe une Europe de la torture et des prisons. Devenues les démocraties, la Hongrie, la Pologne, après l'Espagne, ont trouvé leur place dans la maison commune. Une Russie devenue démocratique pourrait aussi trouver la sienne. L'Europe de Camus, la grande Europe, qui pourrait aller de l'Atlantique à la mer. Il prend soin de dissocier son européisme d'un européocentrisme. Homme de la périphérie, il ne tient ni la Méditerranée, il l'océan Atlantique pour des frontières de civilisation. Il n'envisage pas une Europe repliée sur elle-même, je le cite, lasse et égoïste, et imbue de sa supériorité, forteresse de l'homme blanc. Il la pense au contraire, ouverte vers le monde, nouant des coopérations. Le risque est grand, on le sait bien, de voir une Europe prospère et égoïste s'opposer à un Sud pauvre et prolifique. Un de ses derniers messages, rédigé quelques jours avant sa mort, contient cet appel testamentaire. Je crois à une Europe unie qui s'appuierait sur l'Amérique latine et plus tard, quand le virus nationaliste aura perdu sa force sur l'Asie et l'Afrique. Réconciliée avec elle-même, l'Europe peut être médiatrice de la conciliation universelle et du co-développement. Son unification est une étape destinée à dépasser l'objectif très lointain, reconnaît-il, devrait être les États-Unis d'Amérique. La dernière utopie camusienne est le rassemblement post-impérialiste de la planète, imaginé dans les victimes libérales. Il n'est qu'un monde, et ce monde est un. Sur ce point, Camus serait assez proche d'un Paul Claudel, mais avec d'autres présupposés que l'idée catholique. Camus appartient au monde d'avant 1989. La réconciliation de la France et de l'Allemagne, la décolonisation et l'atterrissage démocratique de notre Europe, l'élargissement de l'Union à l'Espagne, à la Grèce, à la Hongrie, à la Pologne, pour ne citer que ces pays qui lui étaient chers ou qui ont retenu l'attention du citoyen, sont autant d'événements qui répondent à ses vœux. Il avait écrit à la fin de Réflexions sur la guillotine, 1957, « Dans l'Europe unie de demain, l'abolition solennelle de la peine de mort devrait être le premier article du Code européen que nous espérons tous. Les choses ne sont pas faites ainsi, mais le résultat est là. Les 28 pays de l'Union européenne ont aboli le châtiment capital. Il existe une Convention européenne des droits de l'homme depuis 1950, convention que d'ailleurs la France n'a ratifiée qu'en 1974, et une Cour européenne justice depuis 1958. Il est heureux enfin, 5 septembre 2010, une commissaire européenne aux droits de l'homme ait pu dire son fait à un président français gesticulateur. Les États-Unis d'Europe, le mot est citoyen. Camus a souhaité la formation ne devait pas, selon lui, se limiter à un marché unique, ni même à un havre de paix. Il est arrivé que les élargissements successifs de l'Union européenne se sont faits au détriment de son approfondissement. Il eût fallu une dynamique fédéraliste à laquelle répugnait l'Europe. L'Europe des 28, 27, géoéconomique, reste un nain politique. L'Union non seulement est incapable de se doter d'une politique étrangère commune, mais elle se divise, comme on l'a vu au moment de la guerre d'Irak. Elle n'arrive pas à peser sur le conflit du Moyen-Orient qui encombre et perturbe le monde méditerranéen. Nombre de pays, notamment à l'Est, restent sous influence américaine. Un gouvernement économique lui fait défaut. La crise économique a amené la renationalisation des politiques économiques et industrielles. Les peuples et les élites gouvernantes des sociétés démocratiques libérales répugnent ici et là
à l'érosion des souverainetés nationales. Ces souverainetés n'ont pas disparu par enchantement. Les égoïsmes nationaux sont tenaces et les discours démagogiques fleurissent en temps de crise. Le Royaume-Uni en a pris à son aise avec les règles. Quant à la France, de 2007 à 2012, elle a eu un président qui a multiplié la provocation à l'égard des institutions communes et des pays partenaires. C'est qu'il n'y a pas un électorat européen, mais des électorats nationaux. Le personnel politique privilégie les intérêts nationaux, fût-il à court terme. Il est peu sensible aux interdépendances, et encore moins au coût de la solidarité. L'Union européenne, c'est une agglomération d'États, n'existe pas encore, comme le souhaitait quelqu'un, de citoyenneté et de civisme. La technostructure de l'Union européenne, comme l'aristocratie du XVIIIe siècle, est acquise à un universel transnational. Les élites économiques et culturelles adhèrent volontiers à un projet, à un modèle que les masses boudent. Les experts et les décideurs ont imaginé des procédures, des règles communes des institutions. Les institutions souffrent d'un déficit démocratique. Elles sont lourdes et inefficaces. Elles ne sont pas l'expression d'une volonté commune. Il existe un Parlement élu au suffrage universel, mais pas un gouvernement européen. Les citoyens, eux, voient l'Union européenne comme une construction technocratique. Ils l'associent à des palabres, à des directives tatillonnes, à des crises, voire à des délocalisations. Quand les intérêts pèsent plus que les idéaux, il n'est pas étonnant que les détracteurs de la construction européenne soit aujourd'hui plus audible que ses partisans. L'histoire ne s'est pas arrêtée avec les révoltes démocratiques de 1989. Les nettoyages ethniques opérés en Bosnie et au Kosovo, la réactivation de haines meurtrières dans les Balkans ont rappelé que les chauvinismes nationaux, les manipulations populistes des mémoires et l'exaltation d'identités abusives sont des bacilles, comme celui de la peste, comme la vigueur. La Tchécoslovaquie s'est défaite, la Yougoslavie a implosé, la Belgique même pourrait l'éclater, et peut-être l'Angleterre aussi, le Royaume-Uni aussi. La fin des idéologies, entrevoyait Camus en 1946, est toujours devant nous. La notion d'identité post-nationale peine à s'imposer. La cause de la construction européenne n'est ni de gauche ni de droite. Elle transcende les clivages historiques. Elle a divisé durablement la gauche française entre souverainistes gallo-jacobins et fédéralistes ou euro-girondins. Les guerres balkaniques des années 1990 et le référendum de 2005 ont accentué ce clivage. Ces fortes intuitions placent clairement Camus du côté des euro-girondins. Il n'a pas cherché à être, il n'était pas dans son tempérament d'être théoricien ou idéologue. L'Europe qui se construit dans les années 1950 est portée par la convergence entre les sociodémocrates et les démocrates chrétiens, deux forces modernisatrices qui peinent à trouver leur place en France. Des personnalités comme Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide Gasperi, Paul-Henri Spaak jouent alors un rôle décisif. Ces deux familles ou ces cultures réformistes sont aujourd'hui en crise, comme le projet européen l'est et peut-être pour les mêmes raisons. Cette convergence s'est traduite par une gouvernance qui conduit les tâches de régulation à la puissance publique, les libertés individuelles, la prospérité économique, et les droits sociaux sont associés dans ce modèle modérément dirigiste qui a longtemps bien fonctionné. Et l'essor des conceptions néolibérales dans les années 1980 a mis à mal la construction européenne pragmatique à laquelle Camus adhérait. L'économisme, la dérégulation qui prévalent aujourd'hui dans la vaste zone de libre-échange qu'est la Grande Europe, ne vont pas dans le sens de ces idéaux. La démocratie, pour Camus, et j'insiste, fait corps avec les droits de l'homme,
pas avec l'économie de marché. Les hommes doivent passer avant les marchandises. Son Europe n'est pas l'Europe de l'argent, l'Europe des spéculateurs et des marchands, c'est l'Europe du travail et de la culture, c'est l'Europe des droits de l'homme. En d'autres termes, il y a loin de son Europe utopique à l'Europe réelle. Serait-il pour autant devenu eurosceptique? Et je termine sur ces remarques en un temps où, à l'ouest comme à l'est de l'Europe, les peuples s'interrogent sur les freins, sur l'identité et sur les frontières de la Grande Europe. On ne peut que regretter qu'il n'y ait plus, en France, d'écrivain, d'intellectuel, de la stature de Camus. J'ajouterai François Mauriac et de Raymond Aron pour éclairer l'opinion publique, peser sur les gouvernements, contrer les démagogues et élever le niveau du débat démocratique. Je vous remercie. Grazie. Merci beaucoup de ce parcours qui vient de nous amener au cœur de la problématique européenne en partant d'Albert Camus. Vous n'avez pas éludé l'actualité et la situation présente, et en même temps vous avez tracé le parcours de Camus et vous venez de vous montrer la lucidité d'Albert Camus qui avait en quelque sorte envisagé un certain nombre de solutions à des problèmes qui sont terriblement actuels. Et donc, vous avez en même temps abordé la longue histoire et l'histoire courte politique à propos des propositions de Camus et des attitudes de Camus à la fois face à l'histoire de l'Europe et à l'avenir de l'Europe. Et on va donner la parole au public dans quelques instants et je voudrais profiter de ma position actuelle pour vous poser quelques questions à propos de la pensée de Camus et de ses souhaits concrets quant à l'Europe. D'abord, le diagnostic demeure révolté quant à l'Europe, qui est très sévère. C'est un livre qui est apparu en 1951. Et ce n'est que la conclusion de ce livre que le ton devient un peu moins pessimiste. Mais dans les pages précédentes, celles qui précèdent la conclusion, il est question d'une Europe qui n'aime plus la vie, qui oublie, je cite, le présent pour l'avenir, la croix des êtres pour la fumée de la puissance, la misère des banlieues pour une cité radieuse, la justice quotidienne pour une vaine terre promise. Alors, il y avait à se demander, cette attitude si pessimiste qui ne semble pas transitoire, est-elle seulement à cause du totalitarisme soviétique, éventuellement de la dictature en Espagne aussi, ou y avait-il, selon Camus, des tentations permanentes qui habitent la mentalité européenne? Ce livre a été achevé au début de 1951. C'est la guerre froide. Et une guerre, à l'époque, on pense qu'elle peut devenir chaude. Le général de Gaulle a dit que l'Union soviétique était à deux étapes du Tour de France de la frontière. La France, c'est celle de la 4e République, n'est quand même pas glorieuse. La guerre d'Indochine a commencé. Donc, Camus, comme beaucoup de résistants, a été très déçu. Les lendemains n'ont pas chanté. Les lendemains de 1944 n'ont pas chanté. Donc c'est là qu'il pourrait expliquer un certain pessimisme. C'est celui d'un intellectuel français déçu par la léthargie, la médiocrité de la 4e République. Et dans ce contexte géopolitique, il
principe terrible. La guerre froide, c'est choisir entre les États-Unis qui protègent les cinq franquistes et l'Union soviétique. Enfin, un choix. Alors lui, il a un peu éludé ce choix. De toute façon, l'opposition entre pensée dominée et pensée dominée semble être présupposée de cette attitude. Oui, oui. Et là c'est une sorte d'identité ténébreuse de l'Europe. Oui. Alors, l'Europe n'est pas le grand sujet de l'homme révolté. Donc il y a un certain nombre de remarques sur la question européenne. J'ai dit, pour lui, c'est plutôt les idéologies européennes qui sont en cause dans l'homme révolté. Et c'est lui qu'il rejette. Hein. Les enfants de Hegel. Et deuxième question, je vais me taiser par la suite. Vous avez écrit, vous avez dit que Camus était très conscient que le sort de l'Europe se jouait à l'Est et qu'il n'en excluait pas une Russie devenue démocratique. Avait-il une Europe de l'Atlantique à la mer Noire? Avait-il pris des positions explicites à ce sujet? Il y a quelques citations que j'ai données. Hein. C'est souvent dans un entretien ou au fil d'un article. Enfin, son idée, c'est que l'Europe est la maison commune des démocraties européennes. Quand il y a démocratie dans un pays, il y a place pour lui dans l'Union. Ça, c'est sa position, qui au fond a été reprise par les pays européens. Je crois que ce qu'il n'a pas vu, mais qu'il l'a vu en 1989, c'est que des régressions étaient possibles, que les démocraties peuvent aussi connaître des dérives dangereuses, Hongrie, Pologne, aujourd'hui. Il y avait une forte volonté de démocratisation dans les révolutions de 1989, qui ont été d'ailleurs des grands événements camusiens. La révolte de masse, la foule pacifique qui renverse un régime, c'est ça le révolte. Oui, il va savoir de quelle façon la conception géographique de l'Europe recoupe celle culturelle et politique, puisque finalement, lorsqu'il parle d'une Europe devenue démocratique, d'une Russie devenue démocratique, il semble sous-entendre que finalement la Russie fait partie de l'Europe du point de vue culturel. Oui, pour moi, c'est pas faux. Simplement, la Russie a un vrai problème avec la démocratie. Voilà, c'est le grand problème. Les tsars, Lénine, Staline, Brejnev, Poutine. Il n'y a pas ni une culture, ni une volonté démocratique en Russie, ça viendra peut-être. Bon, je vous remercie, je me réserve s'il y a le temps de vous faire une troisième question, de vous adresser une troisième question, mais je crois qu'à présent, il faudrait écouter le public. Merci monsieur, je suis Raimondo Caggiano, Université de la Sapienza. Merci de votre présentation, vraiment très riche. Il y a, d'accord avec ce que vous avez dit, des positions très nettes et très claires, de mon point de vue très appréciables, dès qu'on parle de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de l'Espagne, de la Méditerranée, de l'Est, etc. Même chose sur la dimension
européenne sur la participation aux efforts pour la première conférence internationale, etc. Mais dès qu'on voit Camus avec sa plume à côté dans la revue Esprit, par exemple, même comme avec les plumes fédéralistes déclarées, explicites, pour en affirmer que Camus était fédéraliste. Car le point que vous avez touché, vous avez mis en vous avez donné d'importance à votre présentation, dans le moment dans lequel on arrive au point du passage de la souveraineté, la communauté européenne de la défense, les positions de Denis Desrougemont, d'Alexandre Marc, là vous avez dit on ne connaît pas sa pensée, il a pris ses distances. Est-ce que sur cette ligne très délicate, point très précis du passage de la souveraineté, vous pensez que nous pouvons déclarer Camus un fédéraliste européen? Oui, il y a quand même quelques textes, chez lui, d'orientation fédéraliste. Alors simplement, il faut aller les chercher dans les marges de l'œuvre. Il n'était pas, un Raymond Aron de gauche. Je dis un Raymond Aron de gauche, c'est-à-dire quelqu'un qui, régulièrement, commente l'actualité française, internationale, la politique, la géopolitique, et qui est capable, en trois feuillets, de donner une analyse brillante. Il n'est pas comme ça. Ce n'est pas un théoricien politique. Il n'a pas la culture de base. C'est pour l'essentiel un produit de l'enseignement de philosophie. Alors, il a eu des contacts, c'est clair, entre 44-45, il est en contact avec des fédéralistes, évidemment des fédéralistes italiens. Il épouse leurs idées, mais il ne va pas plus loin et il lui manque. Après 1947, une tribune permanente. Une bonne partie des textes que j'ai cités, ils se trouvent dans la collection de combat entre 1944 et 1947, avec notamment Ni victime ni bourreau en novembre 1946. Donc là, il y a un certain nombre de textes politiques où il est beaucoup question de l'Europe, du passage de l'internationalisme au fédéralisme. Donc il y a des textes. Mais après, il n'a plus de tribune quand il a quitté combat. Et il ne donne pas son avis. Si on lui avait demandé, peut-être qu'il aurait donné son avis sur le traité de la CECA, par exemple, ou le traité de la communauté européenne de défense. Il est d'abord un écrivain. Qui doit écrire des romans, des pièces de théâtre, ou éventuellement un essai. Bon, il donne de temps en temps son avis sur l'actualité, mais seulement de temps en temps. C'est une différence, par exemple, pour Savoriac, qui d'abord au Figaro, puis dans un genre qu'il a inventé, le bloc-notes, donne toutes les semaines son avis sur l'actualité politique ou littéraire, ou il donne ses souvenirs. Il n'y a pas de bloc-notes de Camus. Donc, on peut être déçu, qu'il n'ait pas pesé plus dans le débat. Donc là, je vais assez dans votre sens. C'est-à-dire, pour moi, il est quand même dans l'idée que l'Europe doit se construire dans une logique fédéraliste. Deux rapides questions. La première, c'est cette pensée, disons, européenne qui ressort de toutes les situations que vous avez données à la fin de la guerre.
Elle s'est formée comment? Ma question directe est la suivante. Est-ce que le milieu algérien, dans lequel il vit avant la guerre, Alger, disons, joue un rôle là-dedans? Et la deuxième question, qui est un codicille à la question précédente, c'est que, en raison de cette vision fédéraliste qu'a vu émerger, et vous avez cité Spinelli, bien sûr, mais il existe des contacts entre les deux hommes, ou le manifeste de Vatoten, par exemple, Camus réagit dessus ou... Il ne réagit pas. Il réagit pas. D'abord, il faut penser qu'à l'époque, il est rédacteur en chef de combat, il doit animer une équipe et écrire quasiment un éditorial tous les jours. Donc, il a encore la presse en chantier. Donc, d'ailleurs, il va pas tenir. Il s'éloigne une première fois, on le rappelle, il revient, et puis lorsque le combat change de patron, il se retire. Bon. Donc, il n'a pas vraiment beaucoup de temps. Mais on trouverait dans la collection du combat quand même d'autres textes que les siens. Alors, le milieu d'Alger, pas du tout. Sauf que les hasards d'une carrière ont fait qu'a été nommé professeur de droit Robert Charlier, qui est vraiment un des pères du fédéralisme français. Et Camus rencontre une de ses conférences et le journal publie des textes de Charlier sur ces questions-là. Donc, s'il y a une source avant 1940, c'est Charlier. Et après, il y a la mouvance fédéraliste. Et aussi, une possibilité de voir cette pensée d'adaptation à la situation politique, ça arrive aussi par les traitements qu'il a fait après les cadeaux que Roger Grenier lui a fait en 39 de Caligula, de Zouetane, et qu'il a mis en théâtre avec un grand succès qui a duré jusqu'à 1955. Et en revoyant les révisions, on a noté toute une adéquation à le changement politique. Là, il a éliminé de plus en plus tous les lyrismes et les choses qui cachaient Hitler derrière. Oui. Alors, évidemment, il est difficile de parler de l'Europe dans Caligula, vous en doutez, puisque c'est tiré de Suétone, hein, de la Vita, Caligula par Suétone. Mais il est vrai qu'on connaît deux versions de la pièce. Il y a une première version, je dirais, très nietzschéenne et lyrique, pensée entre 39 et 41, et que Camus a révisé en 1943 en étoffant le personnage de Kéréa, l'opposant à Caligula, qui est une sorte d'intellectuel démocrate. Et à la fin, Caligula dit « ma liberté n'est pas la bonne ». Donc il reconnaît son échec, et Camus ne voulait pas, et d'ailleurs personne ne le dit dans la réception de 1945, que Caligula, sa figure le dictateur. Hein. Ça, on le dit pas. Mais parce que c'est la version qui a été créée par Giorgio Strehler. Hein. À l'époque, c'est Giorgio Strehler qui crée Caligula. C'est pas... C'est pas un metteur en scène français. C'est plutôt une curiosité, c'est une vraie question. Dans votre conférence, vous avez à plusieurs reprises mis en évidence le fait que l'Europe, évidemment, n'est pas celle à laquelle aspirait Camus. Pour toutes les raisons que je partage de votre conclusion, mais et notamment en passant rapidement, vous avez dit ce n'est pas l'Europe du néolibéralisme sauvage qu'il espérait, c'était l'Europe des droits des gens,
donc on imagine aussi des travailleurs, et, etc. Quelle était la pensée de Camus, quelle était la réflexion de Camus sur le plan économique? Vous n'y avez jamais fait allusion, est-ce qu'il avait, vous avez fait allusion au fait qu'il n'avait pas une formation de juriste? Je comprends votre perspective, puisqu'en fait, vous l'avez bien dit, Camus est plutôt un littéraire, un écrivain avant tout, et donc plutôt porté vers la philosophie, et forcément la philosophie du roi, dans sa vision européenne, que par une vision économique. Mais si l'Europe a mal tourné, mais je dis en termes très terre-à-terre, très, très banals, c'est probablement parce qu'il y a une, un usage sauvage d'une forme d'économie. Je n'entre pas dans les détails sur le fait qu'elle peut être ou non compatible avec un certain fédéralisme, le problème à mon ennemi, etc. J'entre pas là-dedans, mais est-ce qu'il y a dans les textes de Camus des allusions, des références, ou pas du tout à ce genre de domaine de réflexion sur l'Europe? Alors, il est loin d'avoir la compétence, je l'ai dit, hein, il est loin d'avoir la compétence d'un Raymond Aron. Mais Sartre n'est pas plus compétent que lui en économie. Hein. Donc là, les intellectuels français ne sont pas très portés sur l'économie. Il reste qu'il y a une entrée économie dans le dictionnaire Camus, c'est moi qui l'ai rédigé, personne ne voulait la rédiger. Et c'est quand même un signe. Le fond, je crois, de la pensée économique de Camus, c'est, disons, un socialisme démocratique. Il a approuvé, en tant qu'éditorialiste de combat, les réformes mises en œuvre par le général de Gaulle, et notamment la nationalisation des banques et la nationalisation de Renault. Il y a deux textes de Camus, où il approuve ces nationalités. Donc il est pour qu'il y ait une intervention de l'État dans la vie économique. Les nationalisations étant une technique seulement. Il a des sympathies libertaires pour l'autogestion. Et je crois qu'il était assez intéressé par quelques expériences, je pense à Guamondo. Et ça veut dire que sa pensée le fait osciller entre, disons, une position social-démocrate, social-démocrate, pas social-libérale, hein, et une position, disons, libertaire. J'ai souvent dit Camus est un libertaire que le malheur des temps a rendu social-démocrate. Voilà. Donc, il est pour l'intervention de l'État dans la vie économique, hein, ça c'est clair. L'État doit être une sorte de régulateur, on ne peut pas laisser le marché tout faire, abandonner au marché la santé, l'enseignement, etc. Il y a des textes de Camus, au temps de combat. Et même dans l'Express, qui n'est même pas un journal révolutionnaire à l'époque, il y a au moins un texte où il dit qu'il faut limiter le pouvoir de l'argent. Hein, il utilise le mot « argent » un peu comme Charles Péguy ou Proudhon l'utilisait. Voilà. Mais ça ne va pas plus loin. De toute façon, il y avait un spécialiste, de l'économie à combat, il s'appelait François Brulel, c'est lui qui gérait ces dossiers-là. Mais, au gré de ses éditoriaux, Camus fait savoir qu'il faut que l'État intervienne.
Alors je vais vous poser moi-même une dernière question. Il y a peut-être d'autres, ça va peut-être en susciter d'autres. Qu'en est-il de la Méditerranée dans tout ça? Puisque finalement, lorsqu'il est question d'Europe, il est évident que Camus songe notamment à l'Europe du Nord, qui ne portait pas dans son cœur, pour ainsi dire, pas forcément. Mais, alors si l'on lit Nance-Métier et d'autres textes, on perçoit cette préférence si nette pour la civilisation méditerranéenne que l'Europe du Nord avait tort de refuser ou de sous-estimer finalement. Et est-ce que cette vision culturelle, pour ainsi dire, qui a de la cible vécue, peut en quelque sorte modifier l'idée qu'on se fait de l'européisme de Camus? Alors, je dirais, très sincèrement, c'est volontairement que j'ai peu parlé de ce sujet, parce que c'est un sujet énorme, et il m'aurait fallu une autre conférence. J'ai un livre qui va paraître dans quelques mois, j'ai corrigé les premières épreuves, et j'ai tout un chapitre sur Camus et la Méditerranée. Voilà, donc c'est une question importante, qui apparaît chez lui dès les années 30, et là c'est évidemment l'Algérien qui essaye de penser un humanisme méditerranéen. Il le pense contre Maurras et contre, il faut le dire clairement, la conception mussolinienne de la Méditerranée. Là, ça, il y a des textes qui sont clairement anti-mussoliniens. Mais en Algérie, on n'a plus peur de Mussolini, qui n'est pas loin, qui a des visées sur la Tunisie, que de Hitler. On ne connaît pas lui. Donc là, il y a des textes très importants, dès les années 30, il y a une conférence, on retrouve dans Nobs aussi, des pages sur la Méditerranée. Il y a le mémoire de l'ES de Camus, qui est fait de Plotin à Saint-Augustin, qui sont quand même des grandes figures de la culture méditerranéenne, et l'idée méditerranéenne, continuer à, je dirais, à nourrir sa réflexion, d'où l'idée, évidemment. Mais là, ce n'est pas mon sujet. L'idée qu'il y a deux cultures européennes. Il y a la culture méditerranéenne et il y a la culture de l'Europe du Nord. Alors, il a tendance un peu à essentialiser cette différence. Alors il dit, la Méditerranée adoucit les idéologies. Bon, la guerre d'Espagne a quand même été féroce, Mussolini en Éthiopie aussi. Là il a tendance à... Et puis l'Europe du Nord, mais aussi la guerre Scorpus. Et dans son Europe du Nord, c'est surtout l'Europe germanique. Parce que c'est l'idéologie germanique qui pour lui est porteuse de crime. Il n'est pas le seul à le penser. La critique de l'idéologie allemande, on la trouve chez beaucoup de... D'abord, chez les grands germanistes, et puis, pour ça, encore, Hausmann, par exemple, dans le Défenseur. Il est tenté de dire, mais finalement il ne va pas le dire parce qu'il sait que ce n'est pas vrai, que la Méditerranée c'est vraiment l'espace utopique. Pourquoi? C'est que la Méditerranée est aussi un monde divisé. La Méditerranée, ce n'est pas seulement l'Espagne, l'Italie, la Grèce. C'est aussi le Maghreb. Et il a fini par le dire, à la fin de sa vie, lorsqu'il y a l'Algérie,
que la Méditerranée est aussi une frontière de civilisation. Il y a un nord et un sud de la Méditerranée. Donc, oui, vous savez, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire hein, sur ce sujet. Qui a vraiment hanté Camus, hein, l'idée de Méditerranée. Et c'est pour cela que la guerre d'Algérie, c'est pour lui une tragédie. Parce que c'est la dissolution d'une communauté. Et cela dit, il est peut-être un peu idéaliste quand il parle de la Méditerranée. C'est-à-dire que il rêve peut-être un monde méditerranéen où cohabitent sur le même territoire, dans la même ville, des communautés très différentes. L'histoire, après sa mort, a montré que les communautés hétérogènes ont explosé. Les non-musulmans ont quitté l'Algérie. Alexandrie, ville multiculturelle de Lawrence Burrell, qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui ? Smyrne était une ville multinationale, Izmir ne l'est plus. Pensez au Kosovo, pensez à la Bosnie. Bon, là, je crois qu'il y a un certain utopisme. Lorsque Camus dit, et il le croit sincèrement, on peut cohabiter, le vivre ensemble, c'est un mot camusien, hein, on l'utilise beaucoup, le vivre ensemble en Algérie n'a pas résisté à la guerre. Donc, tant que, à la fois, donc Camus, attends, parce que les événements, en même temps, l'idée qu'il faudrait qu'il y ait un partenariat euro-méditerranéen, il faudrait qu'il y ait un co-développement, bon, idée qui traîne dans les forums internationaux aujourd'hui, mais ils ne se réalisent pas. Parce que, il y a d'abord le conflit israélo-palestinien qui pourrit l'espace méditerranéen. Et il y a des contentieux historiques. Mais c'est pas hasard si d'ailleurs en France il y a une revue qui s'appelait La Pensée de Midi et qui visait à créer des solidarités entre le nord, le sud, l'ouest et l'est du monde méditerranéen. L'histoire rend cela un peu difficile. Mais l'avenir est ouvert. J'aurais beaucoup de choses à dire, mais une question. Pose un problème tellement lourd. C'est que de toute façon, on doit constater que les accents utilisés par Chine à propos de la Méditerranée aussi, ne sont pas aussi vibrants que ceux. Qu'on utilise pour l'Europe. Non, il y a quand même des pages très lyriques hein, quand il parle du monde méditerranéen. Alors, simplement, ce monde méditerranéen est quand même polarisé par la Grèce. C'est vraiment la Grèce. Il a connu d'ailleurs assez tardivement. L'Italie est présente, un de ses premiers voyages en Algérie, l'Italie, tourné plusieurs fois, mais c'est clair qu'il préfère la civilisation hellénique à la civilisation latine.
C'est-à-dire que les latins, pour lui, c'est quand même des guerriers. C'est ça. Non, pas seulement quel lieu, César, donc, la romanité a été en France quand même accaparée par l'extrême droite. Ce qui est latin, c'est la lumière. Ah, mais alors, à la fin du 19e et au 20e, donc là, c'est vrai que ça ne lui rendait pas trop la latinité sympathique. Puis, ce qu'il aime, c'est le théâtre. Je sais bien qu'il y a Sénèque, sans doute. Enfin, bon, Échille, Sophocle, Euripide, plus les philosophes. Oui, bon, donc, disons que la culture grecque fascine plus que la culture latine, alors qu'il n'a pas étudié le grec, mais a étudié un peu le latin quand il était. Et voilà. Est-ce une autre question? Non, monsieur, peut-être. Bon, alors, on va remercier monsieur Galland de ce magnifique exposé. Et de toutes ces réflexions généreuses qu'il a faites dans l'actualité, même l'actualité présente, non seulement les faits du passé. Merci.